Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des mini-graphiques dans les cellules sur Excel. Pour ce faire, rendez-vous dans le logiciel. Vous pouvez voir que j'ai déjà créé un tableau à l'avance avec des valeurs à l'intérieur. Et donc, je veux créer un graphique dans cette cellule à partir de ces valeurs. Pour ce faire, vous sélectionnez la cellule où vous voulez insérer votre graphique. Vous allez ensuite dans Insertion, puis dans la partie Graphique Sparkline, vous sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez, par exemple courbe. Vous sélectionnez alors votre plage de données à l'aide d'un clic gauche maintenu ou alors en écrivant les cellules qu'il vous faut. Donc moi c'est de B3 à F3. Une fois choisi, on clique sur OK et votre graphique sera créé. Vous pouvez tout à fait modifier les valeurs après avoir inséré, votre graphique sera modifié automatiquement. Deuxième exemple, donc je clique là où je veux mettre le graphique, insertion. Je choisis ensuite le type de graphique que je souhaite, donc histogramme par exemple. Je sélectionne ma plage de données, je clique sur OK. Et le graphique sera automatiquement inséré. Et si vous voulez savoir comment centrer le contenu d'une cellule sur Excel, nous avons déjà fait une vidéo dessus et le lien se trouve dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.